Maintenant, voici un match en jeté avec Antoinette Swift. Ah, puis soit en passant, j'ai réussi deux fois de suite avec le même personnage à quatre joueurs. Ce qui veut dire Antoinette Swift, une partie en jeté. Sauf que la première partie en jeté, il y a eu deux ordinateurs. Je pense que les deux joueurs ont tout simplement été déconnectés du jeu. Donc c'est pour ça que je vous montre pas la première match que j'ai joué avec Entraîneur Swift avant de me trouver dans cette salle-là. Qui veut dire ce deuxième match-là avec de suite sans chuter avec Entraîneur Swift. J'avais fait 4 KO dans la manche précédente. Évidemment contre des ordi. On peut s'entendre là-dessus, c'est avec des ordi. Puis un joueur qui était présent. Mais ici, les joueurs sont tous présents. C'est une partie sans chuter de 3 KO. Est-ce que je peux vous demander, ok, d'arrêter de jouer Little Max, s'il vous plaît? Non, mais il y a mieux comme personnage que Little Max là, pour jouer, là. Pour moi, c'est sûr, c'est ultra chiant en dernier contrat. J'aime vraiment pas ça jouer contre Little Max, j'aime pas ça. Comme les gens qui aiment pas jouer contre des Yoshi. Moi, quelqu'un qui aime pas jouer contre des Cheeks, exemple, mettons, ou contre Bayonetta. Oh. Bayonetta, je vais encore l'utiliser vu que j'ai pas encore réussi à avoir des parties sans jeter partout avec elle. Il me reste une partie à 3 joueurs puis à 4 joueurs avec elle à finaliser. Ouais. Avec Tooling, il me laisse une partie à 2 joueurs et à 4 joueurs à finaliser. 2 KO déjà. Un troisième. À date, j'ai subi 73% de dégâts. Et je suis toujours survivant, alors ça va. Oups, j'aurais pas dû me mettre là. Ah, je viens de remarquer, genre, en faisant cette attaque-là, quand je le lançais sur un joueur, ben, puis que ça atteignait la cible, je voyais que j'ai regagné deux PV en moins. J'ai eu 2 PV en moins. De 100 à 98. Et voilà. Une autre partie sans chuter à effectuer avec Entraîneur Swift. Ce qui veut dire qu'il me reste une partie à 1 contre 1 à finaliser 2 et 3 joueurs. Voilà. Bon, sur ça, on se rejoindra pour la suite.